Dans le département du Mono, c'est un privilège pour la commune de Comin d'abriter les manifestations officielles de la journée de l'arbre. L'espace retenu couvre une superficie de 4 hectares. L'État nous a lancé un défi, celui de végétaliser tous les espaces dégradés et les espaces à aménager. C'est une activité que nous saluons dans toutes ses dimensions et souhaiter bonne fête de l'arbre à chacun de nous. Et n'oublions pas qu'un arbre planté doit être entretenu pour garantir le futur. Pour cette 33e édition, le thème retenu est « Arbre, énergie et économie verte ». L'actuel gouvernement du président Patrice Talon, en décidant cette année de donner à la campagne nationale de reboisement une orientation vers une économie verte, entend ainsi promouvoir l'activité économique à travers les diverses retombées liées à un reboisement intensif. Soyez rassurés, chère population, que les agents des eaux, forêts et chasses ont été instruits pour vous accompagner techniquement à installer vos plantations. Le préfet du département du Mono a exhorté les populations à la mobilisation générale afin que l'initiative prospère pour garantir un environnement mieux vivable. À cette occasion, le ministère du cadre de vie et de l'environnement, via la préfecture, a remis des lettres de félicitations aux meilleurs agents pour l'engagement éco-citoyen à travers leur contribution remarquable à l'effort national de reboisement.